6-9, 6h-9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h31, juste après les infos, j'aurai des sondages et on va écouter Zayn et Taylor Swift. Bienvenue sur Énergie. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, voisin des 8-9 degrés au réveil, le thermomètre va prendre un peu de hauteur pour atteindre 17 degrés au meilleur moment aujourd'hui. C'est sous le soleil que commence ce lundi. Et d'ici la mi-journée, le bleu va céder un peu de place aux nuages. Le reste de la semaine sera dans l'ensemble bien ensoleillé. C'était la météo avec votre restaurant La Trégo, les pieds dans l'eau, port de plaisance de Cap d'Agde. La principauté bouclée, des malfaiteurs coincés. 3 des 4 individus qui ont attaqué la bijouterie quartier de la place du Casino samedi ont été arrêtés à Monaco. Ils venaient de Valoris. Une quatrième personne qui serait le frère d'un des braqueurs a lui été interpellé à Roquebrune. Il serait venu pour aider un ou plusieurs des malfaiteurs à prendre la fuite. Grâce à ces arrestations, les policiers ont retrouvé une grande partie du butin. Son montant n'a en revanche toujours pas été communiqué. Eux aussi se font parfois une petite beauté. Les palmiers mentonnés vont être élagués à partir d'aujourd'hui. Ça devrait durer toute la semaine avec quelques petites conséquences. Sur le stationnement, il sera interdit à chaque fois le temps des interventions. Les résidents des rues concernées ont été prévenus. Du sport et de la Formule 1, le premier Grand Prix de la saison avait lieu hier en Australie, là où on attendait Lewis Hamilton et sa Mercedes. C'est Sébastien Vettel et sa Ferrari qui ont triomphé d'entrée. L'anglais favori est arrivé deuxième. En foot, il y a entraînement public aujourd'hui pour l'ASM. Vous êtes attendu dès 10h30 à la Turbie. Il manquera forcément quelques grands noms, des rouges et blancs, Mbappé notamment, qui a fait ses premiers pas en équipe de France ce week-end face au Luxembourg. On le retrouvera demain aux côtés des autres bleus pour un match amical, cette fois face à l'Espagne. Ils se sont rencontrés en 97 grâce à leur passion pour la musique. Les Magic System fêtent cette année leurs 20 ans de carrière. De premier Gaou à Yafoy, leur dernier single, ils ont fait danser des millions de personnes de Paris à Abidjan. Les Ivoiriens ont aussi beaucoup donné de leur temps aux plus démunis en menant de nombreuses actions caritatives. Pour le chanteur Asalfo, le succès doit profiter à tous. Magic System a mis en place la fondation Magic System pour pouvoir venir en aide aux plus défavorisés et aux plus démunis. Nous sommes nés dans le ghetto et on sait à quelles difficultés sont confrontées quotidiennement ces populations. Alors on s'est dit, nous sommes des leurs. Aujourd'hui, ils nous voient à la télé, ils nous voient dans l'ascension de notre carrière. Et ne rien faire pour eux, ils vont se sentir délaissés. Donc d'une manière ou une autre, on devait se retourner vers ces populations-là. Ça nous permet de construire des écoles chaque année à travers notre festival, de réhabiliter des hôpitaux, de réhabiliter des orphelinats. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'on aide les autres. Une interview de Morgane Barthélémy, Magic System qui prépare un nouvel album et une tournée des festivals partout en France cet été. Voilà pour votre actu, les 8h34 sur Énergie Monaco Menton, Manu dans le 6-9 pour bien commencer la semaine. Bon réveil. On va écouter Zayn et Taylor Swift, ça arrive pour vous dans 3 minutes, juste après quelques sondages. Tout le monde est là comme chaque matin, il y a Auriel, il y a Nicole Web, salut, il y a Glandu qui est là, yes, il y a Blanche Neige qui est au standard. Bonjour. Et si vous voulez venir avec nous manger, et ben c'est possible. On vous l'a annoncé tout à l'heure à 8h10 pour faire... D'abord, pour faire plaisir à Auriane, parce qu'elle n'a jamais goûté ça, elle n'a jamais été là, elle nous l'avait dit il y a 2 mois, on a mis un peu de temps pour le faire. Mais oui, on va vous emmener au Buffalo Grill. Ça va se passer samedi prochain. Auriane nous avait dit qu'elle n'avait jamais été mangée au Buffalo Grill. Elle ne sait pas ce que c'est que d'être servie par un cow-boy. Elle ne sait pas ce que c'est de fêter son anniversaire et d'avoir un chapeau de cow-boy. Elle ne connaît pas la salade d'accueil. On se devait d'appeler Buffalo Grill et de les saouler pour leur dire « s'il vous plaît, organisons quelque chose pour Auriane ». Ils ont dit oui. Et en plus, ils nous ont dit « venez avec des auditeurs ». Vous pourrez être 50 avec nous à venir. On va aller manger samedi soir dans un Buffalo Grill. C'est le premier dîner des moins. Je suis très excitée, merci beaucoup d'avoir fait ça pour moi. Ah bah attends, et on va t'habiller, tu vas voir. Oui. Tu seras la reine de la soirée, tu seras debout sur la table à danser en cow-boy et on s'en piaille. Bah ouais, c'est un piège, ce truc, en fait. Vous voulez venir avec nous, on va privatiser un Buffalo Grill. Wow. Ça se passe samedi, vous pouvez vous inscrire, vous allez sur manudansle69.com. 8h35, avant d'écouter Zayn et Taylor Swift, j'ai comme chaque matin les amis, des sondages. Écoutez bien, 6% des hommes ont déjà dragué cette personne à un mariage. D'après vous, de quelle personne il s'agit? Auriane. J'espère que c'est pas ça, mais la mariée?
Eh ben, tu espères que c'est pas ça, et pourtant c'est ça. C'est immonde. Ah, c'est pas bien. 6% des hommes ont déjà dragué la mariée à un mariage. Mais qu'est-ce qu'ils espèrent? Oh, en fait, je vais divorcer demain, tiens, tu me plais plus. Bah, et dans le CV, quand même, c'est un beau check. Hein. Ouais. Non, il n'y a pas de CV. Tu sais que c'est CV dégueulasse, là. Non, mais bon. Après, c'est vrai que c'est le jour où cette fille est magnifique, quoi. C'est le jour où elle s'est le mieux maquillée, elle est hyper belle, belle robe et tout. C'est vrai que ça donne envie. Non, mais vous êtes pas des animaux, c'est-à-dire qu'il y a plein de trucs qui nous donnent envie. Ah. Et pourtant. On dit pas que ça se fait. Ah non. Mais les circonstances atténuantes. Ouais. Non. Après, la planche n'est pas une circonstance atténuante, ni le maquillage. Après, j'irais même jusqu'à dire, alors après, ça peut choquer, mais est-ce qu'elle ne le fait pas exprès? Oh, mais bien sûr. Tu sais quoi, quand elle se prépare, tu sais, elle met sa robe avec sa mère, ses demoiselles d'honneur, elles se disent, si je me tapais le témoin, je vais la glisser avec ma robe blanche, tiens. Et alors, en fait, le sondage, c'est 6% des mariés veulent que le témoin couche avec elle. C'est assez incroyable, 6% des hommes ont tenté de draguer la mariée le jour du mariage. C'est vraiment le... Ok, bah c'est le compte à rebours est terminé, mais il me reste peut-être une seconde avant. J'y vais. Bon. 29% des gens rêveraient de vivre là s'ils le pouvaient. De vivre où? C'est un endroit, hein. C'est pas un pays ou une ville. C'est vraiment un endroit assez improbable. Glandu. Un supermarché? Non. Est-ce que c'est une pièce ou pas? C'est pas une pièce. Un parc? Eh, on n'est pas loin. Disney? Dans un parc. Non, un parc, non. Un parc avec de la verdure plutôt. Une forêt? C'est pas dans une forêt, c'est... Un pré. C'est dans les arbres. Ouais. Ouh là là, là. Ouais, mais bon. 29% des gens rêveraient d'habiter dans les arbres. Non mais ne serait-ce que le concept des cabanes dans les arbres qui cartonnent là, j'en suis incapable, me dis, allez, un coup de vent, le tronc est rond et oups, je suis par terre quoi. Un coup de vent, le tronc est rond, c'est que ça fait longtemps que t'as pas vu d'arbre quand même. Nico. Et puis je pense que les mecs qui font des cabanes comme ça dans les arbres, ils se renseignent un minimum sur l'arbre. Ouais. Est-ce qu'il est mort ou pas, tu vois. Et c'est un peu leur job. de faire des cabanes qui tiennent. Un coup de vent, hop l'arbre. C'est le jour de la semaine où il y a le plus de premiers rendez-vous. D'après vous, quel est ce jour? Chacun a droit à une réponse. Réfléchissez bien. Quel est le jour, d'après vous, où il y a le plus de premiers rendez-vous? Oriane? Vendredi. C'est pas ça. Jeudi. C'est pas ça, Nico. Glandu? Dimanche. Non, c'est le mercredi. Ah bon? Ah ouais? Ouais. C'est le jour de la semaine où il y a le plus de premiers rendez-vous. Glandu? Ouais, les sorties ciné. Tu proposes un ciné au premier rendez-vous. Tac. Ah, tu crois que c'est pour ça? Moi je croyais que c'était parce qu'en fait le lundi tu reviens, t'as la tête dans le cul, le mardi t'as envie d'y aller et le mercredi allez, on va pas se gâcher la semaine, on fonce. Ouais. Ceci dit, c'est pas mal le mercredi parce que si ça se passe bien, tu fais ton second rendez-vous le week-end et là t'as tout le temps de passer une première nuit par exemple. Ah, ouais. Malin. Maline. 8h38, j'aurai d'autres sondages pour vous évidemment dès demain à la même heure. Zen et Taylor Swift tout de suite sur Énergie et juste après les amis. Il va y avoir une sorte de débat. Je vais vous raconter une histoire d'un mec qui a gagné beaucoup d'argent. Et je vais vous demander ce que vous auriez fait à sa place. Je vous raconte son histoire juste après Zayn et Taylor Swift sur Énergie. Il est 8h39. Soyez les bienvenus. Merci de nous avoir choisis pour démarrer cette journée.